Yo, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, alors t'as bien dormi? Ouais, et toi? Ouais, bah moi franchement j'ai terriblement bien dormi, franchement ça faisait du bien parce que j'étais vraiment fatigué, je vous cache pas. En vrai, un road trip, un truc comme ça fatigue hein, quand même. Oh là là, punaise, franchement j'étais éclaté, mais là ça va, tu vois, j'ai passé une super bonne nuit. Franchement, vous allez rigoler, mais tu vois, dans ces lits superposés, franchement, j'ai super bien dormi. Même ce matin, quand je suis allé aux toilettes, je me suis dit, tiens, mais j'ai trop bien dormi cette nuit. Et en fait, ce qui m'a réveillé, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est trop bizarre, hein. Mais je rêvais en fait que j'étais en train de pisser et que j'avais envie de chier dans mon rêve. Toi, moi je t'ai demandé ce matin si t'avais fait des rêves et là tu Oui, dis. mais en fait, ça m'est revenu. Ça Ah, m'est revenu. Et bravo. en fait, j'avais envie de pisser et envie de chier. Et je me suis dit, oulala, si je rêve de ça, c'est qu'il faut vraiment que j'y aille là. Et du coup, quand je me suis réveillé, et bah effectivement, j'avais envie de pisser et de chier. Je vous le dis, j'ai chié un monstre du Loch Mais Ness. dis donc, c'est sympa ta Là, story. du coup, il y a Waouh. un deuxième monstre du Loch Ness. Mais cette fois-ci, il n'est pas vraiment dans le Loch Ness. Là, il est sur l'île de Skye. Donc. Les habitants de Skye, si vous voyez un monstre, bon bah, ça vient du cœur. Donc aujourd'hui, quel est le programme Moray? Alors aujourd'hui, bah, ça va être journée rando. On va aller voir des points of view, des viewpoints, pardon, des points of view. Pourquoi tu fais style de parler anglais là Mais comme quoi? ça? Parce qu'on est sur une île anglophone. Point of view, dog, En plus, c'est même pas point of view. ça veut dire quoi? Enfin, point of view Des là. viewpoints, parce que. Des points de vue quoi. En fait, un point de vue. Point of view, c'est genre un point de vue, mais genre un avis. Là, on va pas avoir des avis, on va juste aller voir des landscapes. On va avoir des beaux landscapes, tout ça. Ouais, Donc là. donc voilà, on va aller voir deux ou trois sites de l'île de Skye. On va peut-être aussi aller voir un château. Ouais. Voilà, et puis voilà, hein, déjà la journée va être full en rando parce que logiquement on va marcher entre 4 et 6 heures. Ah ouais. Ouais, donc ça va être cool. Ouais, j'avoue, ouais, ça va être cool. On va avoir de beaux décors parce que dans l'épisode bah, précédent que vous avez vu, tu vois, pendant qu'on avait pris une go en stop, et ben en fait, on est passé dans des super vues. Laissez tomber, c'était vraiment à couper le souffle. Tellement c'était à couper le souffle qu'on faisait de l'apnée dans la voiture. Et puis voilà quoi. Et puis là, du coup, on va voir d'autres trucs. Donc on va voir un peu les falaises, tu vois. Des falaises, des rebords. Non mais tu sais là, Ça donne envie. des trucs en pierre là, tu sais, genre comme dans le Finistère là, où on avait vu ça avec Sabin, je sais plus comment est-ce que ça T'as été s'appelle. dans le Finistère? Non, non, j'ai pas été, mais tu sais, on a vu des décors, tu vois, pour un futur clip de Sabin. Et du coup, voilà, j'espère qu'on va découvrir des trucs comme ça. En plus là, je vais avoir le drone, Ah mais c'est sûr. donc ça va être stylé. Mais Mais comme je c'est dis, sûr. le souci du drone, c'est que tain, le vol est que de 20 minutes. Donc c'est vraiment très très court, hein. C'est vraiment très très court, mais bon, on va quand même choper des bons points de vue. Je vais essayer d'économiser à fond les batteries, de voler quoi entre 5 et 6 minutes par spot. Et après on verra, hein. On verra si un jour on se pose genre dans un petit pub pour boire, bah tu vois, je brancherai la batterie. Et puis voilà, donc vas-y, let's go, là on va déjeuner parce qu'on a acheté plein de petits trucs. Et puis ensuite on part. Ok? Yeah. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour une randonnée de je sais pas combien d'heures. Toujours accompagné de la beautiful Mélissa. Comment vas-tu? Ça va, c'est déjà dur. Ah ouais? La première montée, elle est déjà dure. Ah, j'avoue, c'est raide, hein. Bon, vas-y, let's go. Donc là, on a fait notre première montée. C'est quand même chaud, hein, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est que le début, hein. Mais comme tu sais, quand on n'a pas une condition physique, c'est dur, hein. Donc vas-y, let's go, on continue. Hein. Never give up, keep going. Tu vois ce que c'est? Donc voilà, donc la famille, c'est raide, c'est raide, c'est raide, ça continue toujours à grimper. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, toi, ça va? Un peu plus plat, donc ça va. Ouais, là ça descend, mais regarde ce qui t'attend. Regarde ce qui Oh, t'attend. mais il y a des marches. Ouais, il y a des marches, mais bon, des marches, ça reste toujours une montée, hein. Ouais, c'est vrai.
Pas faux. Mais ouais. De toute façon, on vous filme tout ça, vous verrez. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est trop beau. Et comme je vous ai dit, il fait extrêmement beau. Donc c'est vraiment agréable. Vous voyez ce beau temps là qu'on a. Ah, on a de la chance là. C'est vraiment l'un des seuls. Moi, c'est pareil. Je transpire. Je transpire de partout. Je transpire même de l'arrêt du cul pour vous dire. Oh, mais t'es obligé. Bon, allez, let's go. On continue. Regardez-moi comment c'est beau la nature. Tu vois, vous voyez, hein, c'est magnifique. Hein. Cette nature, ça fait des siècles, des millénaires que c'est là. C'est un truc de dingue. Hein. Regardez-moi ça là. That's a beautiful thing I ever seen in my life, dog. C'est incroyable. T'as pas l'impression que c'est pas vrai? Non, mais j'avoue que c'est vraiment beau. Punaise, tout à l'heure avec le drone, ça va être un truc de malade. Là, je peux vous le dire, hein, les amis. Même les lentilles, j'ai l'impression elle fonctionne plus. Ah ouais? J'ai l'impression de voir en 5K, là. Je te jure, ça fait trop bizarre, la sensation. Ouais, j'avoue. Hein, ça te fait ça aussi? Bah, on dirait c'est... Wow. Comme si c'était une illusion. Ouais. C'est bien, ma petite. Tu combats, là. C'est bien, check. C'est bien, il faut continuer, ok? Keep going. C'est dur. Keep going. Il faut combattre la voix dans ta tête qui te dit vas-y, je suis fatigué. Ok, les amis, ne jamais baisser les bras. On y va. Bah non, je pense qu'on va passer par là. Parce que par là. Ouais, l'ami, du coup, j'ai fait des prises de drone, mais laissez tomber la dinguerie. Franchement, G-Mavic Pro 2, c'est le minimum qu'on doit avoir. Bon, j'ai vu qu'il y avait le Mini Pro 3, donc il doit être vraiment très très lourd, mais déjà celui-là, le Mavic Pro 2, déjà, il est incroyable. Je l'ai envoyé presque à 1 km de distance et plus de 500 mètres de haut. Non, laisse tomber, vous. Quand vous allez voir les prises, vous allez être bluffé. Vous allez dire, wow, punaise, mais c'est trop beau. Et la technologie, c'est un truc de dingue. Comment elle évolue tellement vite. Ça me donne envie d'acheter le 3, tu vois, pour te dire. Mais vas-y, on va pas faire le bootjox, tu vois. On va se contenter de celui-là parce qu'il est super top. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vues panoramiques. Vous avez pu voir à quoi ressemble la montagne de Skype. En tout cas, c'est magnifique. Donc là, on va continuer à gravir la montagne. Et puis bon, bah à tout à l'heure. Hein. Et la petite Mélissa, comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange tout. Elle prend des forces. Elle prend des forces. Tout le temps. Every day, I'm shuffling. Donc voilà, les amis. Donc là, il faut qu'on continue. On va aller jusqu'en haut, je pense, là-bas. Parce que du coup, tout en haut, je pense pas qu'on puisse y aller. À part si c'est de la... Comment ça s'appelle? Ouais. Tu vois, faut être alpiniste et tout ça, je pense, pour monter. Je pense pas qu'il doit y avoir de chemin. Donc du coup, on va se contenter d'être tout en haut là-bas. Et puis après, on va redescendre calmement. Et après, on a un autre spot à aller voir. Ok. Bon, bah, let's go. Voici les gars, on est au sommet. Bon, au sommet de ce qu'on pouvait escalader pour le moment. Parce que le vrai sommet, il est là-haut. Mais du coup, pour y aller, je sais pas du tout comment faire, mais on doit faire un petit détour. Je pense que t'en as pour au moins 5 heures de rando. Donc voilà, la vue, admirez ça.
c'est beau. Hein. Voilà. Alors ça va, t'as réussi à monter ça avec facilité? Avec beaucoup de facilité, j'ai même couru. Ouais. J'ai couru, j'ai sauté, j'ai fait des demi-tours, j'ai été te chercher aussi parce que c'était chaud pour toi. Ah ouais, j'avoue. T'as dû me porter, ouais, je crois, sur ton dos. Ça va mieux d'ailleurs toi? Ouais, moi ça va, tranquille. Hein. Ouais, du coup c'était hyper facile. Hein. Ouais, les doigts dans le nez. Comme ça. J'ai même marché les yeux fermés, tu vois. Ah ouais. Ah, j'avoue, t'es trop fort. Ouais, et puis même à un moment, j'ai voulu, tu vois, me donner un petit défi, j'ai marché en arrière. Bon, c'était... Ça apportait une petite difficulté, mais ça allait, tu vois. Non, mais c'est bien. Bah moi, en vrai, hein, ça a été, hein, moi, voilà, hein, franchement, je vous cache pas, c'était quand même facile. On a eu, quoi, une heure de marche, donc c'était plutôt... On est allé vraiment tranquille. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a été tranquille. mais non, sinon ça se fait, tout ça, franchement trop lourd, c'est un bon exercice de faire de la rando, des trucs comme ça, donc vraiment c'est super bien. Donc si vous avez l'occasion de venir en Écosse, bah, n'hésitez pas à venir l'île de Skye, franchement ça fait. Franchement pour la vue ça vaut vraiment le coup de. C'est trop lourd. Ça vaut vraiment le coup de cracher un peu ses poumons quoi. Voilà, ouais. Franchement lourd. Donc voilà, vraiment très fier d'être venu ici, très beau voyage. Mais comme on a dit, c'est pas encore terminé, donc, let's go à la prochaine étape. Hein. Yes, let's go. Alors la descente se passe bien? Ouais, en fait, c'est mieux. Ah bah tu vois que c'est plus facile. J'ai plus de souffle bizarrement. Mais c'est pareil, je peux le faire, tu vois, les yeux fermés. Ah ok, bah ça va alors. Yes, c'est How bien. Alors. Oh bah moi c'est facile. Hein. En vrai, on se rend pas compte, mais punaise, on est parti loin. Bah ouais. Hein. Et là c'est que la moitié. Ouais, j'avoue. De la MIF, alors petite vidéo dans la vidéo pour goûter les flips. Alors goût white, donc du coup white fudge. C'est quoi fudge déjà? Fudge. Je sais pas, c'est un espèce de caramel. Ok, donc on va peut-être goûter pas ça. Du tout, je sais ouais. pas. Donc on va goûter ça. Donc moi franchement cette marque déjà je l'ai validée avec le premier sachet. Il y en aura 3 autres à tester. Nickel, let's go. Donc au white food, franchement je sais plus ce que ça veut dire. Moi on dirait un Oreo. Un Oreo? Ouais. On dirait goût Oreo. T'aimes bien? Moi je préfère eux. Ouais, franchement, ils sont bons. Oui, ça, c'est bon. Mmh. Flips, hein, c'est goût Oreo, en fait. Ouais. Donc, c'est validé. Ouais, Flips au goût white fudge, c'est validé. Allez, on continue. Alors là, on est dans un trou paumé. Les routes, elles sont cabossées. Il y a juste une route. C'est ultra chaud. Et là, on est à... notre destination finale pour aller voir un dernier point de vue sur l'île de Skye. On espère que ça va valoir la peine parce que là la route elle était chaude là. Ouais, hein, c'est clair. Là c'est hardcore, donc on espère que la vue va être magnifique parce qu'autrement on aura fait toute cette route. C'est clair, parce que là c'est vraiment dur hein, de rouler, c'est que une seule personne et à côté il y a des pressing place tu vois pour te mettre sur le côté quand quelqu'un passe. Ouh, mais tu Eldery people t'as vu? T'as dit quoi? C'était marqué des vieux, t'as un panneau avec des vieux. Mais oui c'est quoi une pressing place? Parce que une passing place parce que bon toi t'es un Americanos maintenant. Non pardon t'es un British. Ah ouais. C'est pas ce que c'est quoi? Bah, en fait ça veut tout simplement dire que tu dois te rabattre. C'est une ah place ouais. pour se ah ouais. la place. Mais heureusement que tu étais là, Vicky Teacher. Ouais, bah je sais, heureusement que bah, c'est chaud, sinon nous on ne comprend pas tout. Ah ouais. Regardez-moi ces petits mout-mout. Excuse me, sir. Oui, you're blocking the road. Yo la MIF, alors là on est arrivé. On est où exactement là? The Nest Point. Nest. Ah ouais. Alors on est au Nest Point. Donc du coup c'est sur la côte
de l'île de Skye. Et franchement, c'est la vue est impressionnante, c'est incroyable. Regardez ça autour de moi là, c'est beau, hein. Et ouais, les amis, là il y a eu, je sais pas, peut-être 40, 30, entre 30 et 1 heure de marche pour venir jusqu'ici. Et regardez la vue. Bon, là, derrière la caméra, ça doit pas rendre ouf, mais de toute façon, je vais mettre des prises de drone. Comme ça, vous pourrez voir à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est lourd, tu vois, il y a un phare ici. Et puis voilà, hein. Bon, bah, let's go, je vous mets les prises de drone là, maintenant, là. Ça va? Est-ce que t'es en transpette là? Ah, je transpire à fond là. Ouais. Ah, c'est chaud. Ouais. Regardez, on revient de tout là-bas. Et encore, on était derrière cette colline là. Donc ouais. Ça va, c'était la dernière. La dernière de la journée. Si, si, bien vu, check. Check. Ouais. Les bloods. Et les creeps. Pour le moment, on n'a pas de lieu où dormir parce qu'on va s'arrêter en Écosse, donc on va bien voir. Allez, let's go!